Bonjour à tous. Alors, vous le savez tous, le statut juridique est très important quand on veut créer son entreprise. Alors, afin de bien faire son choix, je vous propose de voir, faire un tour d'horizon des droits et devoirs qu'on a quand on crée une entreprise sous un certain statut juridique. Alors, il y a l'entreprise individuelle. À ce moment-là, pour les responsabilités des associés. Total et indéfini sur biens personnels, l'entrepreneur individuel peut toutefois protéger sa résidence principale et ses autres biens fonciers, bâtis ou non bâtis, non affectés à son activité professionnelle en effectuant une déclaration d'incessabilité devant un notaire. Bon. Quand vous êtes propriétaire ou que vous achetez un local, ou que vous avez déjà un local, enfin bref, vous avez des biens quelconques, à ce moment-là, vous devez faire une déclaration d'insaisissabilité auprès d'un notaire parce que ça vous protège vos biens, en fait, au cas où vous êtes poursuivi par créancier et crédit et tout ça. Vous pouvez protéger vos biens comme ça. Pour le reste, EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, SARL, société anonyme à responsabilité limitée, SA, société anonyme, SAS, société anonyme, alors ça, cette forme, je la connais pas bien, je n'ai pas trop étudié ça. C'est pareil, les choses sont limitées aux apports, hein. Les biens sont limités aux apports en cas de responsabilité. Des associés, là, c'est limité aux apports de l'entreprise. La responsabilité des dirigeants, alors. Vous avez tous une responsabilité civile et pénale du chef de l'entreprise. La nomination des dirigeants, alors pour l'entreprise individuelle, on imagine bien, il n'y a pas. Pour le URL, l'entreprise unipersonnelle, c'est l'associé unique, parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans l'entreprise. Et pour tout le reste, SARL et S Société Anonyme, c'est une assemblée qu'on appelle AGO, Assemblée Générale Ordinaire. Alors pour la SARL, à 50% avec une voix en plus. Et pour la SA, ça nomme un PDG et un directeur général nommé par le conseil d'administration qu'on appelle CA. Et pour la SAS, c'est une liberté statutaire. La révocation des dirigeants pour l'entreprise individuelle, du coup, tout est pour l'entrepreneur individuel. Pour l'EURL, c'est une décision de l'associé unique, et pareillement, conseil général, assemblée générale, pour la SARL et la SA, et liberté statutaire au niveau de la SAS. Le nombre d'associés, alors pour l'entreprise individuelle, c'est une entreprise individuelle seule. L'EURL, un seul associé, personne physique ou morale, à l'exception d'une autre EURL. Donc vous devez ouvrir une autre URL pour avoir un autre associé, pour avoir un associé, comme ça en collaboration. Mais vous êtes seul dans l'entreprise. La SARL, c'est minimum 2, maximum 100 associés, personnes physiques ou morales. La SA, forme société anonyme, forme classique, minimum 7 personnes physiques ou morales. Et la SAS, minimum 1 personne physique ou morale, on peut plus. Montant du capital social. Alors, en entreprise individuelle, on n'a pas de notion de capital social forcément, mais du moins il est protégé par la déclaration d'affectation du patrimoine. Donc pour l'EURL, on doit donner 20% de ses apports dans les 5 ans suivant la constitution de l'entreprise. Capital librement versé par les associés, donc EURL, SARL, 20% des apports en espèces aussi pour la SARL, obligatoirement au moment de la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 ans. La société anonyme, 37 000 euros minimum, 50% des apports en espèces sont versés obligatoirement
au moment de la constitution, les soldes devant être libérés dans les 5 ans pareillement. Et c'est pareil pour la SAS, 50% cette fois-ci la SAS. Mais c'est pas 37 euros minimum. Et les dirigeants, donc l'entreprise individuelle, l'entrepreneur individuel, le URL, gérant obligatoirement personne physique, l'associé unique ou un tiers. Donc obligatoirement une personne. Gérant obligatoirement personne physique, associé ou un tiers. Pareil pour la SARL. Pour la société anonyme, c'est un conseil d'administration entre 3 et 18 membres, dont un président personne physique obligatoirement. Et la SAS, la liberté statutaire encore une fois, au minimum un président, personne physique ou morale, associé ou non. Voilà, donc là on a fait le tour des formes juridiques. J'espère que ça vous a servi à comprendre un petit peu la forme juridique qu'il faut choisir. Après, il y a aussi le régime matrimonial, le régime social et tout ça. Donc ça on verra plus tard.